À tous, toujours de l'air polaire sur l'ensemble de notre pays, mais sous des conditions météo qui seront calmes cet après-midi. Le retour d'un temps sec. Alors, cette nuit, il y a eu quelques chutes de neige ici, notamment sur les hauteurs des 400 mètres d'altitude avec une petite accumulation. Vous le voyez, ce matin, du côté de la région montoise, c'est le soleil qui était d'actualité, un ciel bleu. Et c'est notamment dans le nord-ouest de la Belgique qu'on aura les éclaircies les plus belles. Nous sommes sous l'influence de deux centres d'action. D'abord, cette dépression installée sur le golfe de Gênes et aussi un anticyclone sur les îles britanniques. Quelques giboulées possibles donc du côté du littoral ce matin et cet après-midi. Et puis surtout aussi demain, des giboulées qui vont gagner un petit peu plus de terrain pour demain. On le verra dans quelques instants. Pour cet après-midi, d'abord un ciel qui va commencer à se couvrir. Je vous le disais, les plus belles éclaircies dans le nord-ouest, des giboulées sur le littoral. Et du côté des températures, ça grimpe un petit peu comparé à hier. On est dans des valeurs d'une fin de mois de janvier. 7 degrés à Bruxelles, Vieux-Tatourné, 5 à Namur, Charleroi, Liège, avec un vent qui reste toujours présent en rafale jusqu'à 40 km/h. Le ressenti est bien froid, bien glacial. Pour ce soir et cette nuit, le ciel va commencer à se dégager. Il y aura des éclaircies nocturnes, toujours des giboulées sur le littoral. Mais attention, le mercure va vraiment plonger la nuit prochaine avec des valeurs qui, notamment du côté du signal de Beautrange, là où les sols sont enneigés, ce mercure pourrait descendre jusqu'à moins 10 degrés. Moins 5 à Spa, Saint-Hubert, Namur, Charleroi, moins 3 à Bruxelles. Donc attention sur les routes aux plaques de givre. Demain matin, beaucoup d'éclaircies sur de nombreuses régions, mais donc un réveil qui sera glacial. Des giboulées sur le littoral et ces giboulées, au fur et à mesure de la journée, vont gagner du terrain, notamment vers les régions centrales et peut-être vers les Brabants. Ailleurs, ça reste sec, mais souvent dominé par les nuages. Les températures de demain après-midi, elles restent pratiquement stationnaires. 4 à 8 degrés, nous sommes toujours 4 à 5 degrés en dessous des valeurs saisonnières. La suite du programme, c'est un changement de conditions météo, un changement de régime, c'est-à-dire que nous allons basculer sous l'influence d'un flux océanique. Peut-être encore quelques petits flocons le matin lundi dans les Hautes-Fagnes. Ensuite, c'est une masse d'air plus douce qui arrive à l'arrière avec de la pluie, 9 degrés au mercure. À partir de mardi, on récupère des valeurs de saison, mais ce sera sous la pluie et le vent. Tout de suite, c'est votre journal télévisé.